Gérard Depardieu accusé d'agression sexuelle, cette preuve qui pourrait faire basculer l'affaire. Ce mardi 23 mai, nos confrères de BFM TV sont revenus sur les accusations d'agression sexuelle visant Gérard Depardieu. L'occasion pour eux d'évoquer l'action que l'acteur compte lancer pour clamer son innocence. Les semaines passent et les témoignages qui accablent Gérard Depardieu s'accumulent. Ce mardi 23 mai, la chaîne BFM TV a reçu Charlotte Arnould, qui a déposé plainte à deux reprises contre l'acteur pour viol. Gérard Depardieu va demander l'annulation de sa mise en examen. Selon BFM TV, Gérard Depardieu ne nie pas avoir eu une relation avec Charlotte Arnould, mais il conteste les faits de viol. Pour lui, c'était une relation consentante, indique la journaliste, avant de préciser. Gérard Depardieu va demander, jeudi, l'annulation de sa mise en examen, arguant que les accusations à son encontre ne sont pas graves ou concordantes. Une mise en examen qui pourrait être annulée si toutefois l'une des preuves en possession des autorités ne confirme pas la version de la plaignante. Pour trancher, la justice dispose d'une vidéo issue d'une caméra de surveillance qui était dans le salon de Gérard Depardieu et qui a capté la scène dénoncée par Charlotte Arnould, précisent nos confrères. Affaire à suivre.